pour là dans Port-au-Prince. Il y a un cargaison de cocaïne. La Médopéken arrêté Balaona qui sont ici d'est. Dans le national du Tindia, 143 paquets de cocaïne qui sont ici d'est d'Abalé, c'est nous même qui avons arrêté Balaona. Sud-est, sud-est. Oh, la caille, oui. Bon, exactement, avant de dire. La caille, sortez-moi là. Oui, la caille est sortie. Mais je vais pas mettre les cas sous Kotio, sous zone qui est Kotio. Là, exactement, la caille est sortie. Pendant ce temps-là, on a. Qui est la caille, moi, déjà, mais sud-est plutôt Galvez. Non, non, t'as vu, non, qu'on a couru, qu'on a assez beau, qu'on a ouvert. Non, donne-nous la caille, moi, je vais m'espérer que c'est sous zone Kotio, sous zone Lamère. Et pas sous Lamère, il est passé. Radio Omega. Non, sous la mer, sous la mer. Sous zone Kotio, sous zone Kotio, sous zone Kotio. Exactement, sous la mer, il y a un bébé, avec des qui. Qui est-ce qui est là, des Haïtiens ou bien des étrangers là-dedans? Non, non, attendez bien. Ils ont arrêté Chaloubla sous la mer. 481 paquets de cocaïne. Attendez bien. Ils ont un chaloupe spécial qui tient 75 RPM comme chevaux, ça veut dire 10 longs de long. Il y a un pile gaz là-dedans, un pile bagaille. Ça veut dire ça. Je dis à la, pendant moi, dans le bon bateau prince, toute côte haïtienne. Toute côte sud haïtienne, vous m'avez dit, Radio Omega, pendant ce temps-là, vous avez votre print, je n'ai pas la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, et bien, côte sud haïtienne, l'envahie de Cocaïne, l'envahie du print. Est-ce que c'est une stratégie pour faire oublier tous les noms? Pendant que nous n'avons pas entendu nous, pour nous faire payer, et bien, mafia, donc, il est envahi côte sud là, hier. Hier, 481 paquets de cocaïne qui sont dans le sud-est. Qui journal qui confirme? Qui journal qui confirme le Galvez? Diario Libre, El Nacional. Ok. Maintenant, bon, regardez la situation des Haïtiens ou bien des migrants-haïtiens en République Dominicaine. Justement, mon cap cherche la vie. Bon, regardez l'immigration. Avant l'immigration débarque là, arrêtons pas quatre monde, pas de monde. Même deux monde qui ont un visa, deux monde qui ont un passeport, deux monde qui sont légal. C'est vrai, on va libérer après, mais mon consul prend quelques bourrades là. Après ça, le gouvernement ici est humilié encore. Où connaissez pas ça? Où avez-vous une idée de zone ça? Oui, moi, vous connaissez pas ça? Vous connaissez très bien. Parlez-moi de l'Igalvez. Eh bien, espace ça, c'est une zone côté qui fait un pile par Haïtien surtout sur l'école là. Parce que c'est une zone résidentielle, mais il y a accès à des business tant qu'on photocopie, et puis des business qui peuvent faire tout slogan trop bruit, parce que l'université catholique, Marie Maestra, pas trop loin, et puis de ça. Qu'on y a, et ça vient là, il y a trois sujets. Est-ce que c'est la police dominicaine qui a pas menti? Est-ce que c'est la garantie? Mais il y a un monde qui a pas menti. Est-ce que c'est la police qui a parce que immédiatement que l'immigration débarque, la police débarque, Kobo a débarqué. Qui est-ce que vous m'avez dit? Ouais, en Dominicanie, il y a deux fois, depuis que débarqué dans la zone, seul président va arrêter. Après ça, pour un général, il y a pas arrêté, il y a parlé avec un commissariat, qu'on a fait l'arrivée. Il y a plagou, il y a plagou. Qui quoi, oui, c'est de quoi en République Dominicaine? Qui quoi? Police d'immigration? Non, 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 non. Il y a les Cobra. Il y a Cobra. Il y a Cobra avec DNI. On est arrivé où? C'est à jusqu'à ce qu'on va investiguer où? C'est le président qui a fait au lago. Et la division de la lago. On y a là. Oui, mais sous-titrage Société Radio-Canada Galvez. Attendez. L'être et monsieur à Jacques Tavella, il a arrêté monsieur. Monsieur le consulat. Consulat Mini. Mais Mabdo. Quelle coïncidence, quelle rencontre des milliers d'étudiants haïtiens sur Santiago qui a brûlé chaque jour haïtiens 12 jours avant ça, avant de passer côté consulat de Moulin, 12 jours avant ça, il y a un groupe haïtien qui a travaillé dans une zone côté de Pontrou, Poncaille, il est tombé des coups griots. Jusqu'à maintenant, madame Pavala, là où on est samedi, il y a l'hôpital là. Haïtien n'est pas, autorité n'est pas jamais allé. Une fois que Haïtien qui pauvre, Haïtien qui parle contre les banlieues, qui parle en volet, qui parle en service, qui parle en faire passeport, $250 américains, dans toute considération, et c'est nous,
Les autres problèmes, les autres, vous attendez. Au fait, quelle coïncidence, quelle connaissance, quel contact rapide, consulat, en est pour rappeler, l'idée baquée, vient aider Nègre parce que l'immigration s'est arrêtée. Quelle coïncidence, même en tout, on consulte, c'est pas job li. Ça va dire qu'on consulte. Parce que nous avons un problème avec l'État. Il a arrêté la secrétaire dans l'État. Consulat haïtien, il a donné écrit chef ITO pour après Haïti écrit la police dominicaine, immigration, pour en dire de quoi il en est. Mais ce n'est pas au fini. Au fait, consulat des chocs, parce que l'État, si il était frappé, il était bien frappé, il a frappé dans le projet. Parce qu'on ne peut pas intervenir dans l'affaire en pays sans que le ministère des étrangers pays ou là. Pas bon, on a dit. Non, Galvez, t'allais, pas comme ça. Galvez, oui. C'est de migrants haïtiens. Oui. Immigration a arrêté, il y a maltraité. Il est le consul représentant le pays côté sa fête là. C'est lui-même oui. Qui vous défend, Galvez. Exactement, c'est lui-même qui vous défend. Mais nous défendons tel monde. Non, il y a un peu parce que l'immigration a arrêté. Comment nous défendons tel monde là? Galvez, Galvez, ma garde situation migrant haïtien en République Dominicaine avant, ou d'accord ça? Oui. Maintenant, nous avons un cas bien précis devant nous. C'est cas, oui. Côté que gon hôtel ou bien bar restaurant, côté que gede moun yo di moun chè gen trafic, passeport, bien visa qui fait là-dedans, immigration débarque, libate ou bien arrêter n'importe 21 moun, consul la représente Haïti, c'est lui représente Haïtien yo, li doit faire intervention. Les comme de fait, li fait intervention, yo frappe le tout. Donc c'est ça l'objet d'avant, Galvez. Écoutez, intervention consul là, pas bon. Ma voix de quoi? Li pas bon. Li pas bon. Parce que, comme vous m'avez dit, littéralement pas bon. Non, il pas bon. Pourquoi ça s'appelle pas bon? Parce que, avant même, l'État haïtien, c'est qu'il a révoqué. Non. Galvez, Galvez. Le droit administratif, tandem Galvez, quoi tandem? Oui, ma tandem. Il a rappelé consul là. Ou d'accord avec lui? Il a rappelé consul là. Il connaît le révoqué. Mais l'issue posée était là pour liquider les affaires courantes en attendant l'autre consul prend poste. Tout autant l'autre consul là pour qu'on prend poste, c'est lui-même qui représente l'État. Toute action, c'est lui qui le fait. Ok. Mais quand il y a la pendant ce temps du tatou, ministère des Affaires étrangères haïtien écrit ambassadeur dominicain Pétionville. Tout ça dit. Nous disons ça. Monsieur l'ambassadeur à dominicain Pétionville, nous connaissons. Que depuis le 6 juin, consulat par là encore. Mais elle va dire rien en office. Non, mais laisse ça, c'est contre. Non, laisse ça, le ministre des Affaires étrangères qui milie tête li. Puisque le ministre des Affaires étrangères qui a montré le sort li même pour tête pâle. Puisque okay, même si vous rappelez consulat depuis le 6 juin, c'est lui qui a liquidé les affaires courantes. Pas pour l'autre consulat, pas Galvez qui doit prendre cause, qu'elle défend cause haïtien. C'est lui qui là, c'est lui pour intervenir. Radio. Vous m'avez dit, écoutez, qui est bon, là? Galvez, c'est un droit administratif, oui? Non, moi je dis que oui. Moi je suis censé dire pour 3 ans, je vais faire un samedi. Attention, oui. Non, qui est pas là où? C'est bien. Et le ministère de l'État haïtien, seulement il est collègue côté les îles dominicaniques et James Jacques parle encore. Mais pas annexé que lui a fait la seconde. Ça, c'est un guise. Mais c'est pas ça. Non, son principe administratif, lié Galvez. Bon, premier avant. Galvez, bon, gros cas avant. Galvez, okay. Est-ce que vous entendez? Oui, madame. Bon, vous cas en Haïti avant. C'est mon premier ministre Jovenel qui est Jacques Guy Lafontaine. D'accord? Oui. C'est lui-même qui fait plus de temps comme ministre Jovenel, premier ministre Jovenel. Yo, oui. Parlons vote de censure dans le Parlement. C'est pas un clan, le primature, il prend Boxel, vieux shot, il te quitte la lacaline, non?
Yo te prends une semaine, deux semaines, un mois, oui. De même pour Jean-Henri Séan. Ministre Affaires étrangères, là, pas oublié, dis-moi que lorsque le fin rappelé consul là, faut préciser que la liquider les affaires courantes en attendant l'autre consul, non? Non. Écoutez. Lui rappelait, lui pas nommé. Bon, okay. Ouais, on dit que bon consul Gavès. Bon consul, pas vrai? Bon consul Santiago de los Caballos. Ou attendez. Ok. Écoutez. Attendez, non, Galvez. Bon, finir avec point de vue, non? Ou attendez. Oui. Go consul qui est le James Jacques, lycée consul Santiago de los Caballos. Où d'accord ça? Oui. Maintenant, ministre Affaires étrangères a rappelé. Où d'accord ça? Ministre Affaires étrangères a rappelé. Sous peuple, le monsieur liquide les affaires courantes, prend vice-consul là, balle promotion et que monsieur bralé. Si monsieur pas de promotion, balle vice-consul là, ou rappelé consul là, Galvez. Rendez-moi fou sage, la liquide les affaires courantes en attendant ou mettons l'autre monde consul. Et bien ça? Ok. Ok. Ça c'est Oudil Bell, Bohanet, I love you. Écoutez, Andoula. Oudil Bell, bien, mais c'est pas ça lié. Écoutez. Où est-ce que vous avez fait l'État? Vous pouvez régler en grand monde. Très bien. Tenez bien. Où est-ce que vous avez fait l'État? Si ça est noyé, nous n'avons pas de cabrit là, pas de plat, vous pouvez faire ça ouvrir. Ok, vous avez quitté le ministère 10 jours, 10 ans, avec courant, pas un problème. Ça, c'est qu'on a ici, on n'a pas de cabrit. Mais dans nos pays, quand il y a des gens, quand il y a des états qui sont liés, on va se faire sauver, parce qu'on n'est pas ici. Ça dépend de la bien pour. L'air que le ministère des Affaires étrangères haïtien a écrit la rue dominicaine, il n'a pas mentionné que le ministre, le consulat, ça n'a pas été fait courant. Il n'a pas dit ça. Les gens évoqués. Quoi écouter? Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Vous voyez samedi, il y a des centaines, des milliers d'Haïtiens Santiago, La Vega, Bonao, Kira Blanca, Samana, tenez bien, San François Macori, Punta Cana, Tenerife, il y a des problèmes. Les que moun sa yo rive dans le consulat, yo pa ba yo service. Allez voir tout ça pour un appel. Connais ça qu'on va connaître comme journaliste. Là que M. Jovelin relève le consulat, c'est parce que vous lirez les amis. Les amis, fini même des problèmes, effectivement. Tout cela fait pour des amis, lui venait des amis. Mais, lui encore l'aise. Parce que je dis à la, ou même samedi, là que nous mettons des mouns, par exemple, ou bien un NDC, ou bien saisi, qui a préparé moun baou, si pas mal baou, l'arrivée d'Abon, on va les conditions à Haïtienville. Est-ce qu'on connaît Romane Samedi? Bon, c'est des responsabilités qu'on ne doit pas prendre, Galvez. Mais ça qui passe, on n'a pas bonne pression pour prendre cause là. Non. Galvez ou là? Même la pirette, même avec Makak là, même la pirette. Très bien. Nous avons regardé des situations et migrants. Yo. Puisque migrants, yo, c'est vrai, on dit que le consul là, il a bien frappé, puisque Gonlette, ministère des Affaires étrangères, qui dit. Mais c'est pas consul encore, mais il est de principe Galvez. Lorsque on a liquidé affaire courante, il faut remplacer. S'il n'est pas comme ça dans le droit Saint-Domingue, en droit haïtien, c'est ça. Et que si on pas les consuls continuer à poser des actes au nom du gouvernement, c'est remplacer rapide. Maintenant, on dit tête le cognac, migrants haïtiens, ils ont entré au bac. Ou bien arrêté, avec passeport, avec visa. Qui a son pensé que tu dois défendre yo? Ok. Qui est-ce qui a défendre yo? Eh bien, c'est consul yo, c'est job consul yo. Mais écoutez, oui. Moi, je suis allé, nous-mêmes, les non-nous, nous avons fait ça nous les. Nous avons dit que je pas comme ça, là. Moi, je suis allé, deux bagailles. Moi, je dis encore. Effectivement, situation haïtienne, moi-même, je vais à Santiago, moi-même, je vais à Santiago là tellement. Parce que, pour Santiago, parce que, il y a près de 1 million haïtiens dans tout ce là-haut. Mais, vous-même, l'aide qui a eu un problème, vous m'avez samedi, pas jamais une aide contre la Saoudiale. C'est la première fois, il y a un haïtien qui a un problème, dans un bar, côté BNI débarqué. Parce que c'est quand tu as des informations sur la zone, quand tu as des trafics, papier avec passeport dans la zone. C'est ça qui fait le débat qui est pour ça. C'est ça pour investiguer ça aussi. Deuxièmement, là, il y a un problème constant.
Arabako et la Bega, yo aux abois. Je n'ai plus que jamais, moi-même d'a conseillé nous, en quoi problème Conseil Santiago pour nous résoudre, parce que pas dire Conseil Santiago, c'est un consulat qui fait plus mal à tout Haïti et Saint-Domingue, même Haïti. Mm-hmm. Pas dire, oui, n'a consulat ça. C'est là, c'est on construit, oui, je t'ai arrêté, c'est mal passé, ou pas oublié. Mm-hmm. Vous oubliez? Ah, mais, je t'ai arrêté contre ça, mal passé, oui. Côté contre ça, il y a dans la nature, oui. Tu as arrêté la machine blende, oui, Samim. Est-ce qu'on est, majorité de monde qui n'a construit là ça, c'est monde qui ont député, sénateur, mais c'est monde qui va connaître, dans la diplomatie. Mm-hmm. Je dis là. Pour nous travailler Haïti en respect du mérité, qui était pauvre, qui était riche. Je dis encore, à cause de Haïtiens qui a été domaine, les obligés, l'État dominicain fait commande plus manger. Parce qu'ils ont commandé poules au Brésil et en Belgique. Parce qu'il y a un pile de monde pour manger ce domaine. À cause de la population a bien augmenté. Ça va bien. Mais. Mon population haïtienne de Santiago, comment elle vit? L'île de Montaigne, la PK a 15 000 euros chaque mois. Faut le payer pour moi. Faut le payer tout le bagaille. L'île est passée, c'est nommé, peut-être qu'il est qu'à vivre. Mais je dis à un pile haïtien, qui Santiago, qui gagne dans tout petit barreau, et qui n'a pas consacré au fait. Au contraire, c'est dans un moment pour que les gens haïtiens aient offert des services psychologique à Mounio, qui est un pile haïtien et haïtienne frustré, il a couru, c'est vrai, pour insécurité. Mais voilà que l'autre bord de Santiago, comme il a fini, il a pas contre le monde. Quand il a tellement fini, on a samedi, l'État haïtien est doué contre la Santiago à 7 mois. Et gagner, je ne sais pas si on est là, mais gagner, employé dans le consulat, il a mis au dehors dans la location. C'est la salle aux hommes et a dormi avec tout carbonio, carbone dans le métier dans le coin, parce que l'État haïtien a payé. L'État haïtien n'a pas payé contre la Balaona. Il y a 7 mois. Il y a Igwe 7 mois. Il n'a pas payé aucun employé dans l'ambassade d'Haïti, pas au moins. Allez voir pour foutre la bonne. Donc là, on a posé problème l'État, Galvez. L'État, problème qui n'est pas bon, ou bien pas assumer responsabilité envers petit pli qui est en République Dominicaine. C'est ça? Exactement. Mm. L'État l'a dit, ça c'est tout. Et les gens qui sont en consulat, ils ont obligé de prendre un passeport à $250 américains pour faire un copier. Donc, l'État doit prendre soin. La souhaite qu'on a fait ça, Galvez, c'est corruption liée. Parce que l'État n'a pas voulu vendre un passeport de $250 américains. Si un passeport a fait, où est-ce parler ça? Une dame qui est à l'étranger, qui voit le numéro de passeport, bon moins, passeport fait, le ballon fiche. Ça gagne n'importe 7 mois le bas menu. C'est ça que l'État a fait. Bon matin, vous venez samedi. C'est ça que me demande tout à l'heure. Union, la presse haïtienne, ça. Radio Méga doit dépêcher, vous venez samedi, pour aller faire une émission comme ça dans le consulat. Pour garder pour elle qui va aller l'obé. C'est pour aller bien. Mais payons ticket Radio Méga. Payons ticket aller à deux caméramans. Al-Bombouste. Ouais, c'est le salaire d'Amérique, c'est le salaire d'Amérique. Le salaire, parce que l'État n'a pas payé, parce que l'État n'a pas voulu manger, il est entré dans la corruption. On dit que arrêté, Kounia. Il va pas dire arrêté, parce que l'État n'a pas de transfert, mais arrêté, nous mettre là. Qui ça va arrêté, yo? Gardez bien. Imaginez, problème qui est là, on a pensé la barre, on a. Et bien, qui est-ce qui s'est arrêté, on a pensé là? Jamais, c'est des médias de la. Il y a un président, il y a un sénateur, il y a un président, 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 il y
yon psychologue nan consulat haïtien Santiago. Pou ki sa, parce que comme yo fini, yo men kopi yo peye kay, et actuellement là, et en pile jeune femme, c'est bagay a fait pour que yo jwenn manger avec yon kadou. Je sais des employés de l'État ou bien de moun kap viv comme ça? Employé l'État yo ou bien moun kal chercher la vie là-bas? Non, bon, mon cher, bon, moi-même, oui, vice-versa. Vice-versa. Vous pouvez vous attendre bien. Qui est malo? Radio Omega. Qui travaille à vous? Qui est ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous avez fait que vous avez payé chaque mois. Vous avez machine pour mettre de gasoline, pour mettre de diesel. Faut lâcher la vie. Faut lâcher le savon. Faut lâcher les pâtes. Faut lâcher les cotex. Pour l'homme, pas payer pendant 7 mois. Qui est ce que vous avez fait, vous avez samedi? Je vais vous question vous-même. Vous êtes une question. Est-ce que vous avez répondu maintenant? Condition haïtienne, imaginez-vous. Regardez-vous dernièrement, la regardez dans la capitale dominicaine. Radio Omega. Capitale dominicaine, et on voit chaque soir, chaque après-midi, on voit immigration et dans les haïtiens. Ça fait chez haïtiens, on peut le voir. Mais qui ça gagne? L'État haïtien, depuis haïtien, de Saint-Brin, soit les rentrées tribunales, oh Jimani, oh Edas Pignas, Monde Christ d'Aragon, Haïtien la guerre. Mon Dominicain qui a été aujourd'hui là, les bons numéros quand même pour le relais dans l'ambassade dominicaine, au consulat, pour prêter attention si il y a un problème. Il y a un Haïtien qui est nommé aujourd'hui là, à moins que les bons amis, bien haut, peut-être qu'il est capable de relais, mais Haïtien qui nommé, c'est pour mourir parce que Haïti n'est pas pour lui, il n'y a pas été, il y a la gueule net pour le samedi. Aujourd'hui là, comme nous avons payé encore, je dis qu'il y a deux sept phénomènes. Il y a deux sept en Dominicaine. Deux sept phénomènes, je dis là. Est-ce que depuis 1957, la Dominicaine s'est pris dans le football? Eh bien, hier, il y a gagné et a participé dans U20. Non, il y a bon sous nous. Ah, mais attendez bien. Est-ce qu'on a l'état fait? L'état dominicain prend 300 jeunes garçons. Jeunes Simon, ils vont en Allemagne, en Argentine, au Brésil, ils peuvent être préparés. Mais le résultat. Nous-mêmes, même à nous, on est samedi. Là, on prend des chevals et sauvages, ou là, qu'on a des maïs, ce qu'on a fait. Comme on t'a appelé, nous les nègres d'Afrique, nous, ils viennent dans un pays tropical, ça, belle rivière, belle eau, belle manger, belle femme. Et pour ces constats similaires, ça veut dire Christophe Colomb, t'es vraiment raison. L'État le prend en Afrique comme des nègres, comme des sauvages. Effectivement, nous disons là. En 2022, là, dans les Caraïbes, là, nous tellement l'aise. D'ailleurs, dans une réunion des pays, ça les a fait, nous allons inviter nous parce que nous sommes mouillés. Vous voyez samedi, l'homme de Punta Cana, aux Haïtiens, on est à Punta Cana, c'est Krieger. On va crier parce que l'État haïtien n'est pas là, il est en discret. C'est Dominique qui peut être haïtien. Le problème, de Punta Cana. Le problème de la Romana. Le problème de l'homme de Punta Cana. C'est Dominique qui peut être haïtien. Et quand est-ce que nous avons là, en Igwe, quand on travaille, on a une blindée. En conclure, Galvez, l'est arrivé sous moi. Vous savez? En conclure, l'est arrivé sous moi, m'entendez-vous? Ok. Quand on a comme l'est arrivé sous vous, madame samedi, avant de finir ma petite bagaille, si nous vous appelez, comme Haïti a enterré déjà l'enterré, il y a un bâtiment. Si on t'appelait, moi demandé la presse haïtienne pour nous finir nous, pour une seule voix. Pas de icône, pas de icône. Que nous font seul travail, que nous unissons tous, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des âmes dans le pays, dans le catouillé. Et si nous trouvons tout, le pays a pris des affaires. C'est pour nous faire finir nous, méchants ou pas, bon ou pas. Que nous unissons pour nous faire payer avancer. Au contraire, nous avons perdu la vie. Et vous m'avez samedi, comment sentez-vous si vous faites un bateau, il y a vous en Afrique. Vous avez parlé? Non, je ne vais pas aller. Bon, je vais aller. Messieurs, dames, la société, nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme. Puis mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse compter.
plateforme qui là pour bon bagaille yo Jean Yoya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.